les centres-villes de nos petites... La ville de Bully-les-Mines, qui a été retenue dans le dispositif Petite Ville de Demain, a signé dernièrement une convention cadre valant ORT, opération de revitalisation du territoire. Il s'agit d'un dispositif initié par l'État, piloté par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes. C'est un programme gouvernemental qui a pour objectif de redynamiser ces centres-villes, réamener, si c'est possible, de l'activité commerciale ou de faire évoluer l'immeuble en immeuble d'habitation. Donc c'est à la fois aider les villes à travailler sur l'évolution de leur centre-ville, quels commerces conserver, quels immeubles réhabiliter. Ce genre de programme peut permettre aussi d'offrir de l'habitat, à la fois pour des jeunes couples, mais aussi pour des personnes plus âgées qui souhaitent revenir dans un tissu urbain dense avec tous les services nécessaires. En tout, quatre communes de l'arrondissement de Lens sont concernées par cette convention ORT, dont deux sur le territoire de l'agglomération de Lens-Liévin, qui est engagée dans ce programme avec de nombreux partenaires. On accompagne la commune de Bully-les-Mines, comme celle de Mazingarbe, dans cette action qui est sur une dynamique complète sur la restructuration du centre-ville, l'accompagnement du centre-ville, aussi bien dans la question commerciale que dans la question des mobilités, de l'urbanisme, du logement aussi. Il y a un enjeu important sur la reconquête de certains hauts immeubles en matière de logement et donner aussi là une autre visibilité, une autre affluence en centre-ville. Un enjeu important pour la commune qui a souhaité effectuer la signature de cette convention dans les locaux de la boutique 51, un lieu éphémère permettant à des porteurs de projets de venir tester leur activité commerçante ou artisanale. La boutique 51, elle, finalement, c'est un peu le symbole de la démarche que nous avons engagée depuis maintenant la fin d'année 2021. C'est la période à laquelle nous nous sommes engagés dans le dispositif Petite Ville de Demain. On a préfiguré la convention que nous avons signée aujourd'hui. Donc en fait, il y a deux piliers fondamentaux dans cette démarche Petite Ville de Demain. Il y a un volet attractivité commerciale. L'objectif, c'est de faire revenir des commerçants dans notre centre-ville. Et puis, il y a un volet habitat, cadre de vie. Je pense que le mot d'ordre qui est le nôtre en matière de redynamisation du commerce, redynamisation de l'habitat, globalement, c'est l'attractivité de notre territoire, c'est de jouer collectif. C'est bien évidemment de jouer collectif, à l'image du Racing Club de Lens. Et bien, ce qui est bon, effectivement, pour Bully-les-Mines, est bon pour Lens, est bon pour Liévin. Et tout ça, ça vaut pour l'ensemble des 36 communes de notre agglomération.